Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, votre animateur émérite, Serge Defalé, la légende. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de celle-là même, la sublime, la charmante, Yumi. Bonjour Defalé. Bonjour Yumi. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ah non, moi je suis là, hein. Je sens que le punch et le tonus y est déjà. J'ai dit, je suis rechargé à bloc. Donc, je pense que les choses vont commencer à aller à une autre vitesse. Là. Bien sûr. Dames et messieurs, aujourd'hui, dans ce Fafa, nous recevons celui-là même où, s'il y a deux cas, c'est qu'en cas de cas, il y a un cas. Donc, nous recevons l'amiral en cas de cas. Alors, l'amiral, j'espère que la présentation a été au niveau qu'il faut. Oui, 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 tout a été dit. Tout a été dit. Voilà, il fallait juste rajouter le neveu de l'illustre Benogo Kassim. Ah, voilà. On a oublié de dire ça. Voilà, Benogo Kassim. Benogo Kassim. Voilà, c'est mon oncle, c'est l'oncle le plus connu en Côte d'Ivoire ici. Mais je vais te le présenter, de Fabien. Alors, amiral, en cas de cas, à l'état civil, ça donne quoi? Mon nom, c'est Anka, mon prénom, c'est Deka. Deka. Donc, en cas de cas. Donc, si en cas de cas, il n'y a pas de cas, il faut trouver le cas. Ah. Il y a toujours un cas en réserve. Il y a toujours un cas en réserve, oui. Voilà, qui déclenche la situation. Donc, c'est en cas de cas. Voilà, en cas de cas, elle est là. Tu as vu le game là, non? Ouais, j'ai vu ça. D'accord. Alors, en cas de cas, tu es très à fond sur cette histoire de polygamie. Pourquoi? Et puis, on te sent très, très agressif dessus. Parce que, tu sais, en cas de cas, tu peux pas venir comme ça dans une nation comme la Côte d'Ivoire. Hein? Et puis, tu es là, tu fais des polygamies là. Bon, tu as des intentions, tu as des ambitions. En fait, la légende des Falais. Oui. Tu sais, nous sommes combien d'habitants sur Terre? Nous sommes près de 7 à 8 milliards d'habitants sur Terre, n'est-ce pas? Et donc, quand tu calcules là, les femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes, tu vois. Quand tu vas dans les maternités au jour d'aujourd'hui, là, les accouchements, là, si tu dis accouchement, on a 8 filles, 2 garçons. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, il faut pas être méchant. Et voilà, il faut pas. Bon, si vous mariez une femme, bon, les autres là, elles font quoi? Il faut les aider aussi. Les aider en fait. Mais elles sont demandées de l'aide. Non, mais c'est ce que j'ai dit. En fait, avant, tu vois comment voici nos parents d'avant et géraient la polygamie. Tu sais, le gars, il gérait la polygamie comme l'Assemblée nationale. D'accord. Nos parents d'avant. Okay. Donc, je t'explique comment ça fonctionne chez lui dans sa tête. Dans sa tête, quoi. Voilà. Les enfants, eux, ils représentent la gauche. Tu vois. Et comme les mamans, elles représentent le centre. Le centre, ok. Tu vois. Le papa, lui-même, il est la droite et en même temps, le président de l'Assemblée nationale. Lui, il est les deux en même temps. Lui, il est les deux. Et puis, mieux, c'est-à-dire, les deux mamans, ils les mettent dans la même maison. Donc, il y a deux cas. Et mais c'est lui gère, parce que c'est le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'était le polygame d'avant. Donc, pour faire passer les affaires de la gauche, qui sont les enfants, il faut s'entretenir avec les gens du centre pour que derrière la droite, qui est le président de l'Assemblée nationale, puisse valider. Okay. Ça, c'était avant. Mais maintenant, l'État est en train de vraiment travailler sur ce projet pour, de sorte qu'on puisse gérer la polygamie comme le Sénat. Voilà, ça dit tu peux mettre une sénatrice à Boaké, voilà, tu mets une autre sénatrice à Paris. À Paris, okay. Et là, maintenant, toi le chose, sénateur, tu fais maintenant la navette. La navette entre Paris, Abidjan, Boaké. Boaké. Voilà, soit c'est toi qui vas vers la sénatrice. Paris, soit, Abidjan, Boaké. Voilà, c'est la sénatrice qui vient vers le sénateur. Bon, voilà, pour faire le scénario. Ok, maintenant si le sénateur, il a des occupations, est-ce que la sénatrice peut se trouver un sénateur remplaçant? Non, ça c'est pas conseillé. Mais pourquoi? C'est pas conseillé. Mais si le sénateur va la remplacer, elle est une sénatrice là où il est. Maintenant, elle est de l'autre côté là-bas. Oui. Non, mais elle peut pas faire ça. Elle est la sénatrice. Dans un gouvernement, c'est comme ça. Non, mais elle est la sénatrice qui a été élue. Ok. Voilà, donc du coup, tu ne peux pas te permettre de chercher un autre sénateur qui n'est pas sur la liste électorale. C'est pas juste. Non, mais il y a des rôles qu'on donne par intérim, donc c'est faisable. Il peut être intérimaire. Ah vu que tu n'es pas là, le sénateur n'est pas là. Il y a même un intérimaire au milieu. Il y a toujours quand il y a un rôle à jouer ou bien il y a une administration. Si
le sénateur n'est pas présent. C'est ça. Il y a forcément un intérimaire. Oui, oui, c'est clair. Non, mais en fait, c'est pas dans... faut pas regarder la chose au sens propre. Voilà. Il faut regarder ça au sens figuré. Voilà. C'est juste... D'accord. Je donne des exemples, tu vois. Sinon, vous voyez, les femmes sont nombreuses quand même. Bon, voilà. Donc, toi, tu es pour la polygamie. Oui. Non, ce qui veut dire qu'actuellement, tu as plus d'une femme. Non, j'ai une femme d'abord. Non, est-ce que tu as plus d'une femme. Non, attends, est-ce que tu es marié d'abord, Kanika? Oui, je suis marié. Ouais. Bon, donc, par la mairie, donc, coutumièrement. Voilà. Donc, tu es marié, mais donc, tu as une maîtresse. Non, non, j'ai pas. J'ai arrêté de partir à l'école il y a longtemps, donc, j'ai plus de maîtresse. Il va nous embrouiller. Kanika, pas assumer tes propos. Il ne veut pas assumer. Parce que. Yumi, tu vois. Non, ici, là, on est dans Fafa. Oui. Tout ce qu'on dit là, on assume. Tu as dit que tu es pour la polygamie. C'est ça. Oui. Donc, en temps normal, quelqu'un qui est pour la polygamie a déjà un comportement précédent. C'est ça. C'est ça. Non, c'est, moi, j'ai fait ça. En fait, moi, je suis pour le leadership féminin. Non. Tu vois, je suis pour la cause des femmes. Tu vois, c'est pour les aider. Mais quelle femme a dit qu'elle était pour la polygamie? Allez là. Les femmes n'ont pas demandé à faire ça. Non, mais en fait, tu vois, les femmes, souvent, elles ne sont pas gentilles. Hein, non. Donc, elles ont mal et puis elles ne parlent pas. Oui, elles ont mal et puis elles ne parlent pas. En fait, c'est ce qu'elles t'ont dit. Mais non, c'est le constat que je fais. Sur quoi tu te bases pour faire ce constat? Regarde, toi, tu es là comme ça. Ça dit, tu souffres avec un gars jusqu'à des fallus, tu vois. Et puis, un jour, le gars, il décide de te mettre dans la maison. Ça dit, il décide de te marier. Tu vois. Et les choses commencent à avancer. Tu vois, tu es une femme. Donc, il met les moyens à ta disposition. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Non, donc, du coup, tu as tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, on dit le cas, c'est raison, que même la raison est ignorée. C'est-à-dire, la raison, mais c'est pas pourquoi elle a raison. Tu vois? Donc, du coup, ton cœur peut clignoter pour quelqu'un dehors. Maintenant, si tu es un faux type, tu peux ne pas illégaliser, c'est-à-dire cette relation. Okay. Tu peux rester là en train de jongler. Mais je pense que le fait vraiment d'officialiser cette relation, c'est pour aider la première. Donc, si je te suis, tu dis aux hommes que s'ils aiment quelqu'un dans le secret, au lieu de vivre dans le secret, cette maîtresse devrait devenir une deuxième épouse. Ben voilà, c'est ça. Au lieu d'être caché, on n'a qu'à officialiser en même temps, c'est pas mieux. Mais est-ce que tu prends en compte la vie de la première épouse au moins? Non, elle est déjà bien. Non, mais qu'est-ce qui te dit qu'elle est bien? C'est quoi on voit? Qu'est-ce que tu vois? Qu'elle mange à sa faim, trois fois par jour. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Pas possible. Moi, je peux pas ne pas aimer la polygamie. Pourquoi? Pourquoi? Je suis pas contre. Voilà. Oui. Je suis pas contre. Pas contre. Voilà. Parce que moi, je viens d'une famille de polygamie. Et donc, moi, je sais comment est-ce que le vieux, il a géré la situation. Donc, toi, déjà, tu as été déjà à l'école. Voilà, de ça. De la polygamie. Tu vois? Parce que maintenant, c'est difficile de mettre deux femmes dans la même maison. C'est très difficile. Parce qu'un jour, ils vont t'appeler pour dire que parmi les deux, là, il y a une qui. Bon, donc, si je comprends bien tes propos, en temps normal, ça veut dire que la polygamie, là, c'est dans les gènes. Oui. C'est pas forcément dans les gènes, mais je veux dire, moi, je n'encourage pas. Si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas t'engager dans la polygamie. Parce que il faut être honnête. Il faut être honnête, disons. Ma religion déjà nous dit que voilà, il faut aller. Tu peux marier une femme. Ça, deux femmes. Ça, on prend ce qui. Voilà. La religion est les choses qui arrangent. Voilà, je te dis. C'est ça. Vrai? Donc, on dit, tu peux aller jusqu'à 4. Tu as vu? Quand la religion le dit, ça demande des moyens pour accompagner ça. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, toi, tu encourages quelque chose où ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Non. Et les gens, aujourd'hui, ça devient un effet de mode où des gens prennent deux, trois femmes. Donc, ce qui veut dire que où toi-même, tu es assis là, tu caches des choses que tu ne veux pas dire. Non, la légende, il ne faut pas qu'elle m'attribue des choses que je n'ai pas dit. J'ai dit tout à l'heure que déjà, avant de faire la polygamie, il faut avoir les moyens de ta politique. On sent que tu veux dévoiler quelque chose, mais tu attends. En fait, tu es content comme ça que tu parles de ça. Il y a quelque chose qui cache. Oui, c'est beaucoup de fierté, quoi. Femme, il y en a plusieurs qualités. Tu vois, je me suis approché d'un polygame qui m'a dit pourquoi lui, déjà, il est polygame. D'accord. Et donc, je me dis, en tout cas, ces arguments qu'il donne là, c'est des arguments nécessaires. Il dit, il y a quatre qualités de femme. Okay. Il dit, il y a la bonne femme. Okay. Il y a la belle femme. Okay. Parce que souvent, bonne n'est pas belle. Belle. Comme souvent, belle n'est pas bonne. Et il y a la mère de famille. Okay. Et il y a la femme d'amour. Voici les quatre qualités de femmes qui nous arrivent. Donc, tu dois avoir les quatre. Donc, voilà. Si tu ne peux pas marier quatre femmes, tu te concentres, tu cherches une femme avec ces quatre qualités. Mais c'est ça pour avoir. C'est impossible. C'est ça pour avoir. C'est impossible. Il faut que tu aies la foi.
Maintenant, si tu n'as pas la foi, tu peux manger ce spaghetti à une fois. Ça peut renforcer ta foi. Donc, c'est ce que tu fais. Non, ce n'est pas ce que moi j'ai fait. Je suis en train de donner. Non, mais la façon que tu l'expliques, on sent que tu vis la chose. Tu es passionné même. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'Akadeka est devenu le porte-flambeau de la lutte pour imposer la polygamie en Côte d'Ivoire? Non, pas vraiment. C'est assez lourd quand même. C'est une très lourde responsabilité. Non, mais ça m'a l'air. C'est une très lourde responsabilité. Si c'est le cas, vu que tu t'appelles Akadeka, si c'est le cas, mais il faut déclarer officiellement devant la face de la nation. La caméra te regarde. Moi, en cas de cas, à partir d'aujourd'hui, je suis le porte-flambeau de la lutte pour imposer la polygamie en Côte d'Ivoire. Ah. Ok, ce qu'il a dit là, c'est ça. Non, c'est pas dans ma bouche, tu as bien compris. Toi-même, ça doit sortir de toi-même. Parce qu'on sent que tu es dans un confort secret que tu ne veux pas dire. Non, je ne suis pas. C'est ce que je dis. Il ne faut pas, tirer sur les gens à balles réelles. On est mon PME. Voilà. Il ne faut pas tirer les. Tu sais. Elle s'appelle comment, au fait? Qui? L'autre. Qui est la maîtresse? Non, il n'y a pas. Il ne veut pas aller au plus. La belle, la pâte. Non, je dis. Mes enfants, ils regardent. Pourquoi tu veux dire que tu pas Mettre le secret de Donc, quand toi, tes enfants regardent là, les gens qui t'ont dérivé dans le premier ministère, eux n'ont pas d'enfants aussi, quoi. Et pour là, ce que je dis là, vous savez qu'on est, le week-end. On ne doit pas qu'on sait le week-end. Voilà. Donc, je vais couper les oreilles. Voilà. Voilà. En fait, ça, c'est mon point de vue. Mm-hmm. Si tu veux faire, si tu as les moyens. Un point de vue en connaissance de cause. Voilà. Si tu as les moyens de ta politique, tu gères. Maintenant, si tu ne peux pas, il ne faut pas prendre enfant des gens aussi. Mais là, toi, tu as les moyens. Où tu es assis actuellement, tu as les moyens. Tu vis confortablement bien. Mais pourquoi tu veux me marier une deuxième femme sur le plateau comme ça? Non, mais je comprends pas. Je ne veux pas te marier une deuxième femme, mais je sais qu'il y a une personne qui est derrière. Parce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'on t'a vu. On t'a vu à Yopougon. Samedi soir, dans le bar de ton collègue. Voilà, tu étais avec une go là. Qui? Toi. On est à la télé, il ne faut pas dire des choses. Non, non, non. Tu étais dans le bar de ton ami avec une go. Non, c'est pas. Madame était où pendant ton second? C'est pas fondé. Je t'ai dit, on m'a dit. Tiens, quelle preuve? La go avait porté une robe moulante rouge noire. Non, c'est avec des petites paillettes dessus. Non, c'est ça. Quand vous êtes rentré, tu avais les mains sur sa hanche. Non, c'est pas moi. C'est pas faux. Mais toi? Pas dire des choses quoi. Non, t'es sur ta tête, ça c'était pas moi. Hein. Mais c'était toi. C'était jamais c'est moi. C'est parce qu'on peut pas mettre photo, sinon j'allais mettre non, ça là. C'était pas moi. Hein. Ah, on m'a envoyé ça. D'ailleurs, samedi, il était pas à Yopougon. Ouais. Qui t'a parlé de ce samedi? C'est quel samedi? Ah bon? Ah bon? Ouais, c'est là la question. Voilà. Donc, il faut te rappeler le dernier samedi là où tu as fait avec la goule. Non, il n'y a pas. Comme tu es très à l'aise en parlant de la polygamie. Ah, je t'ai dit. Donc, normalement, là, où tu es assis là, tu ne dois même pas avoir de problème. Je n'ai pas de parler de ta maîtresse. En fait, il faut qu'il se libère de ce poids. Il doit te libérer parce que c'est lourd. Le combat que tu as décidé de mener, tu as décidé d'être le leader de la polygamie en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il y a des attributions et des positions très tranchées que tu dois prendre. Non, c'est, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. En fait, d'abord, je suis d'abord le président de la SONAVACI. Ça, c'est la Société Nationale des Vagabonds de Côte d'Ivoire. D'abord. Je suis le président. Donc, si on vient mettre. C'est-à-dire, et nous regarde aussi. Si on vient rajouter président de polygamie, là, c'est ça va être chaud un peu à la réunion. Il y a député, il y a maire, voilà. Ministre, tout ça là, dans la même casquette, une seule personne. Ah, c'est ça. Aussi, tu peux avoir tout oui, ça. Oui, c'est vrai. Mais sinon, si vous avez l'argent, devenez polygame. Mais si vous n'avez pas l'argent, ne devenez pas polygame. Parce qu'il ne faut pas prendre en vente les gens, tu vas mettre à la maison, tu n'as pas les moyens. Mais elle ne mange pas trois fois par jour, tu t'en prends une autre femme parce que tu l'aimes. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est mais pas donc, bon. Tu as vu, mais c'est ce que si j'ai dit, peux... tu as moyen maintenant aujourd'hui, en cas de cas. Tu as les moyens aujourd'hui. Donc, vu les moyens que tu as aujourd'hui, tu peux prendre une qui est à la maison et puis l'autre qui est de l'autre côté pour éviter une sorte de clash façon bizarre. Là, oui, mais je n'ai pas encore trouvé deuxième là. J'ai pas encore trouvé. Tu n'as pas encore trouvé, donc tu en cherches. Voilà. Tu sais, c'est la cote. Ah, d'accord. On dit, c'est la cote de la femme, tu vois. On dit cote. Voilà, donc je suis sinon pour l'heure, ça va à la maison, tout va bien. Et l'autre là, je n'ai pas encore. Ah non, tu es en train de la chercher. Voilà. Ah d'accord. T'as vu, c'est sorti. Non, c'est sorti. Pour finir, on allait arriver là. Mais en cas de cas, alors dis-nous, mais en parlant des Bramogor, de la ville, il paraît qu'il fut un temps de ta vie, tu as été chauffeur de Woro. Oui. Ça a duré combien de temps? Deux ans. Ouais. Et là aujourd'hui, les anciens collègues de chauffeur de Woro, quand ils te voient, quelle est leur réaction? Oui, ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont fiers. Mon parcours n'est pas forcément un exemple, je veux dire, mais voilà, chacun a ses réalités, tu vois.
Moi, je suis natif de Yamoussoukro, originaire de Odiéné et tout. Je débarque à Abidjan, je suis dans les mouvements où je me cherche ci et là. Mm-hmm. Voilà, on est déjà engagé. Oui. Il n'y a pas marche arrière. Pas marche arrière. Voilà, c'est Abidjan. Donc, un garçon, tu ne peux pas t'asseoir comme ça. On est obligé vraiment de se mettre dans beaucoup de choses. Tu vois, gérer cabine, dans gestion des cabines, grouiller, passer permis. Wow. Tu vois le truc. Ouais, voilà, c'est passer c'est d'abord permis. Maintenant, j'ai le permis, mais je suis là. Mais pendant tout ce temps, je m'étais déjà inscrit à l'école de théâtre de Koro Abou, qui est Humour Système. Donc, déjà, il fallait payer le transport pour aller répéter à Trècheville chaque fois. Bon, je ne peux pas prendre mon air de cabine là aussi pour partir faire ça. Ouais. Donc, comme j'ai un permis, j'ai dit, ah tiens, il faut te mettre dans le transport. Au moins, si tu roules, tu peux avoir un petit jeton qui va te permettre déjà d'aller faire tes répétitions et tout et tout. Voilà, voici ce qui m'amène déjà dans... En fait, l'histoire de jeune utile à l'agréable. Tout à fait, c'est ce qui m'amène un peu dans le domaine du transport. Okay. Et voilà, ça s'est bien passé aussi. C'est un univers vraiment qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et inspiré aussi peut-être. Tout à fait. Et en plus, ben, il a été balanceur aussi. Non, ça, je ne l'ai pas fait. Papa. Balancé, peut taper sur tes... Non, ça, avec pas fait. Les lesquels, tout ça. Non, je n'ai pas balancé. Le cas, pour toi, mais tu... Hé, j'allais, mon Dieu! Non, ça, je... Souvent, mais écoute, dépasse le cas, même. Je t'ai dit. Non, ça, je n'ai pas fait, par contre. Mais en tout cas, mais est-ce que tu retournes souvent par moment, aller les saluer dans le milieu, causer un peu avec eux, tout ça? Oui, c'est là-bas qu'il y a les vrais inspirés et tout, tu vois. Ce sont les faits des sociétés, des vécus, les réalités. Mm-hmm. Tu vois, le gars, matin, bonnet, il a oublié de laisser sa femme à la maison à 4h du matin pour aller se réchauffer un café noir. Mais c'est dans le café noir, tu mettais deux dedans ou bien trois? Non, ça... Les trucs là. Non, en tout cas, la fille, en tout cas, est... Comprimé bleu là où on met dans le café. Non, ça, il n'a pas fait ça aussi. Mais en tout cas, la fille, là, elle a devait beaucoup. Un café 100 francs. À un moment donné, il lui devait 18 875. Tu as remboursé ta dette. 100 francs chaque matin. Donne-moi un pot après, elle te donne. Donne-moi un pot après, elle te donne. D'après. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des collègues qui s'est décalé dans le café? Bon, moi, je n'ai pas eu à. Des fréquentations comme ça, tu vois un peu. Mais forcer ça, c'est un univers. C'est un univers. C'est un mouvement. C'est ça, on dit chaque jet de jambe a son plombage. Voilà. Chacun sait dans quel giga lui développe pour avancer. Voilà. C'est que tu arranges-toi le soir, il faut envoyer la recette du latier. C'est ça qui est juste. Voilà. Maintenant, comment tu as fait acrobatie? En parlant des recettes, en cas de cas. Je sais, je vais venir là-bas. Vas-y. Tu n'as jamais fait un truc, je retiens façon là. Non, ce sont des trucs simples. En fait, il faut respecter les chauffeurs de taxi, baka que vous voyez là. Tu vois, c'est un milieu où les gens se disent, oh, de toute façon, j'ai mon argent, je m'arrête. Ça dit, il est à mon service. Okay. Est-ce qu'on se comprend? Pourtant, c'est un père de famille aussi. Donc, souvent, peut-être, non, le client même a arrêté comme ça. Il peut arrêter un taxi et le gars, il dépasse. Tu vois, il va s'arrêter un peu devant. Ouais. Et la cliente, elle a arrêté là. Moi, il y a des garés, tant d'abord, il y a garé là-bas. Donc, s'il y a un autre taxi ou un autre roi qui vient s'arrêter juste, elle monte. Elle parle là. Est-ce qu'on se comprend? Bien sûr. La position des clients et des clientes souvent pousse les conducteurs de roi à mal se comporter. Où tu le gardes, il sert là-bas. Pourtant, il y a voiture derrière. Donc, ça peut provoquer beaucoup de choses. Tu vois, c'est la manière, ça dit, de faire les choses qui pousse aussi les chauffeurs de roi à tenir des comportements qui ne sont pas vraiment très, 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 je vais dire, comment on appelle ça? Souvent, il dégame, je vais dire. Il dégame. Sinon, en fait, des cachets, souvent, moi, il me rappelle un jour, ça avait été. Un jour venu, il a oublié ce jour-là. En fait, la recette, c'est 12 000. Le carburant, c'est 12 000. Ça te fait 24 000. Mm-hmm. Généralement, le chauffeur, il est payé. Il a deux dimanches. Okay. C'est-à-dire, quand il roule le dimanche, la recette, ça l'appartient. D'accord. Donc, il y a deux dimanches. S'ils sont deux chauffeurs, donc le gars est payé 24 000. Deux dimanches, 12 000. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais. Ah ouais, okay. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment chaud. Donc, un jour, je finis et puis voilà, j'ai la recette qui est dans ma main. Hein? Vraiment, je n'avais pas... C'est juste. Tu vois, maintenant, moi, je dois rentrer à la maison. Mais il est mal à quelle heure? Moi, je mange à quelle heure? Ce n'est pas vrai. Mais je décide maintenant de prendre le jeton et dire au boss, ah, vraiment, aujourd'hui, là, c'est un peu dur. C'est tout ce que j'ai eu. Mais je vais prendre 5 000 dedans. Quand il a oublié mon dimanche, là, il a complété. Ça, c'est pas vrai. Non. Il pouvait venir dire ça n'a pas marché. C'est une doléance. Voilà. C'est une doléance. Voilà. Parce que moi, je suis resté dans ça, parce que le propriétaire de la voiture, il a payé au moins 4 voitures. C'est moi qui gérais désormais les voitures. Les voitures, c'était bien. Tu vois, donc j'étais en même temps chauffeur et gérant.
Mais on a développé ensemble. Hein. C'est quand moi je suis arrivé, même que le gars, il a, son mouvement a commencé à avancer et tout, puisque je girais et tout. Donc il était à 2 voitures, on s'est retrouvé à 4 voitures à la fin. Okay. Et quand mon mouvement de théâtre, vraiment, j'ai vu que je devais me lancer. Parce qu'il savait que je faisais de l'humour. Pendant tout ce temps, j'avais mes séances de répétition. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai tout... Je ne me suis jamais débarrassé de la chose, tu vois. Ouais, donc, quand je devais faire bonjour 2012, je l'ai appelé. Je dis, ah, vraiment, frère, franchement, moi, je vais commencer une activité que tu sais, mais je n'aurai pas le temps de suivre les voitures. Ce qu'on va faire, il faut trouver quelqu'un d'autre qui va gérer les voitures. Et il m'a dit, non, il faut que moi, je trouve quelqu'un ça dit, qui est comme moi, comme toi, de confiance, que tu sais que qui va gérer. Je lui ai dit, je ne peux pas faire ça. Parce que ce n'est pas sûr que le gars que moi, je vais envoyer là, il va prendre la chose comme pour lui-même. Et puis après, faut pas et puis après on, je suis là-bas, il suis toujours relié à la, ouais, à la chose. Donc, j'ai remis les pièces des voitures. Et vraiment, ça l'a fait mal. Mais moi, ma décision était prise. Et mieux, ça là, je gagnais un peu d'argent. Où je partais là, je ne savais pas si j'allais gagner l'argent. Donc, parce que c'était un risque que tu prenais. Voilà. Mais j'étais engagé. Mais dans ce risque-là, en parlant de ce risque, je dirais, dans les débuts de ta carrière, quelle est la chose qui t'a le plus fait mal, la chose qui t'a le plus marqué? Parce que tu sais, dans tout début de carrière, on peut se retrouver confronté à des situations, même sur la scène. Ben oui. Quelle est ta scène, la pire de tes scènes? Mais c'est une très belle question, la légende. Ça s'est passé à Makori. D'accord. C'était à mes débuts, je n'étais pas connu, je n'avais même pas encore fait les bons jours et tout. Okay. Je me dis une histoire de 2007, non 2007, oui. 2008. À l'époque, quand il y a Vieux Gazet qui avait. Qui avait, oui, son coin, qui lycée à Makori. À la psychologie. Voilà, la psychologie. Donc, voilà. Il y a Dibé Cravate que je salue de passage. Mm-hmm. Un vieux père vraiment qui, depuis le début, ça dit, est toujours prêt pour les plus jeunes. Mm-hmm. Donc, il avait initié un comédie club là-bas. Et il y avait moi. Il y avait Magnifique, qui n'était pas aussi connu. Ouais, qui était dans ses débuts, voilà, aussi. Voilà, qui était aussi dans ses débuts, mais lui tournait plus que nous, en fait. D'accord. Okay. Voilà, mais on démarrait tous ensemble. Du coup, on annonce les humoristes. Donc, il y a un premier qui est passé, c'était bien. Et le second, c'était moi. Donc, je passe et puis je viens m'arrêter. Puis je joue. Les gens sont assis. Et puis, j'attends. Après. Qui a envoyé là, ici, là? Moi, on a quand même respecté dans ma pile. Hein. S'il n'y a pas comme... Qui a envoyé là, ici? Direct. Direct. En fait, je suis là, et puis je le regarde comme ça, il dit... Tu trompes juste toi-même. Il te fait quoi? On peut chasser en face de quelqu'un comme ça. Et timidement, je suis en de la scène. Mais c'est quelque chose vraiment... Je vais dire, tout est parti de là même. Parce que quand je suis en de la scène, j'ai coulé les larmes, j'ai pleuré toute la nuit. Ça et je me posais la question. En fait. Oui, j'ai dit, mais comment tu as fait? Et puis quelqu'un, le gars va pas... crier. Et puis le gars là, il va crier sur toi. Donc toi, théâtre, tu dis, tu fais depuis tes petits là. Donc lui, il va venir crier sur toi à cause de théâtre. Toi, ouais. t'as pas pu faire rire ceux-là. Non, ça là, ça doit plus jamais t'arriver. Ouais. Et à partir de cette scène, moi, j'ai attaché la ceinture. J'ai dit non, moi, en tout cas, je lance ce défi. Il n'y a pas scène que moi, il est passé. Et puis dans la foule, là, les gens ne vont pas rire. Ouais. Si tu ne vas pas rire, à Kanika, tu vas rire. Mais donc, ça a été une onde de choc. Donc, voilà. Ça a été une onde de choc. Effectivement. Je veux dire, ça m'a boosté. Ça t'a boosté, ça pouvait me casser. Ouais. Ça pouvait me casser. Mm-hmm. Mais au contraire, j'ai saisi l'opportunité et j'ai commencé à travailler davantage. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. C'est vrai que ça a donné ce que ça donne, mais on dit tes blagues sont pas drôles. Tu forces un peu trop, tu n'es pas naturel. Pourquoi? Qui a dit ça? Et puis, quelle blague? Toutes tes blagues. On dit que tu n'es pas assez... créatif, est-ce que ton staff, tu travailles, il n'y a pas, en fait ton humour n'est pas naturel, voilà, tu ne fais pas, il n'y a aucun effet au fait. J'ai jamais entendu ça, tu es la première personne qui me dit que mon humour n'est pas naturel, s'il y a quelqu'un qui met son humour naturel, s'il y a quelqu'un qui met son humour, mais c'est moi, tu vois ce que je veux dire, moi d'abord, il faut que tu comprennes, il y a le comédien, c'est vrai, on a parlé un peu du comment on appelle ça, du volet transport et tout, mais ça a été un passage de ma vie. J'ai fait ça pour pouvoir obtenir quelque chose. Okay. Voilà, donc c'est pas parce que. Donc du coup, mon travail même, c'est l'humour. Oui. Moi, je commence d'abord, ça dit, dans les séries et tout, avec Koro Abou. Et on me découvre d'abord dans un personnage de FRC. Oui, je me souviens. En 2012, ouais, en 2012, c'est mon premier bonjour. Okay. En 2012, c'est mon premier bonjour et c'est l'heure des FRC et tout. En tant qu'un artiste, ça dit, le pays vient de vraiment...
le pays a traversé un moment difficile. Mm-hmm. Vraiment, le pays est en train de renaître de ses cendres un peu. Le rôle des artistes, c'est de vraiment sensibiliser la population. Et puis, essayer d'égayer, comme l'avènement vous avez fait en 2000, avec le coupé décalé. Ah. Vous voyez le truc. Donc, l'humour, il faut avoir le courage de le dire. L'humour a contribué beaucoup à la réconciliation, à décrisper la situation. Ben voilà. Ouais. Et donc, ça, si t'es pas vraiment. T'es pas intelligent ou bien tu saisis pas, ça dit, je veux dire, l'opportunité, cette fibre-là, ça ne peut pas donner quelque chose. Oui. Donc moi, je décide à cette époque de me mettre dans la peau d'un FSI. Ouais. C'est parce que je suis un comédien. Mmh. Donc je n'imitais pas, mais je campais le personnage d'un FSI. Jusqu'à ce qu'il y a des gens même qui se posaient la question, mais attends, il a déjà été FSI ou quoi? Ouais. Ouais. Tellement le personnage était bien joué. Donc, ça m'étonne quand tu me dis qu'il n'est pas naturel. Donc, tu vois, je ne vois pas, ça ne compte pas. Comment tu prépares, Jean, pour dire que le naturel, à force, tu arrives même à camper dans des personnages. Un personnage. Voilà. Ouais, donc, du coup, ça... quand tu parles de ça, tu vois, ça ne colle pas. Bon, peut-être que c'est le volet, pas forcément le volet comédie. Mm-hmm. Peut-être que c'est dans le côté, peut-être, le volet humour, ou c'est ta personne directe. C'est vrai que moi j'ai remarqué une chose aussi, c'est vrai que je trouve que quand tu emboîtes le rôle d'un personnage, franchement, tu es terrible. C'est ça. Mais peut-être que c'est quand tu veux prendre toi-même peut-être ta propre personne, là, ça coince peut-être par moment aussi. Ça peut arriver. Non, c'est un constat. C'est un constat. Je pense que, voilà, je vais en tenir compte. Voilà. Je vais en tenir compte, mais perso, c'est... Je pense que peut-être, non, si tu parles de quand je prends mon personnage, c'est quand je suis sur un plateau de télé en tant qu'un chroniqueur ou quoi. Ouais, peut-être que là, c'est ta vraie personne maintenant qui sort. Oui, mais quand tu regardes, c'est pas le même tableau. Ouais, numéro scène. Ouais, puis. Moi, de base, je ne suis pas animateur et tout. Donc, du coup. Donc, je suis un humoriste, on me sollicite pour l'émission parce que je suis humoriste. Et donc, ce que je fais, ce sont des chroniques. Des chroniques. En humour. En humour. Voilà, pour mettre de l'humour. Voilà. D'accord. Alors, mais est-ce qu'en cas de cas aujourd'hui, tu es chanteur, humoriste, comédien, hein? Bon, tu es tout ça, hein? Tu touches combien de droits de ton bureau? En tout cas, ça se passe bien. Ça se voit qu'il est bien, tu vois pas la chaîne qui brille, tout ça. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Quel est le plus gros montant que tu as touché là-bas? Il y a beaucoup de. Vraiment, il y avait beaucoup de difficultés. Mm-hmm. Mais honnêtement, il faut avoir le courage de le dire. Les choses avancent bien. Sa question, hein? Quel est le plus gros montant que tu as touché là-bas? Il ne faut pas faire. Mon village nous regarde. Comment le village te regarde? Combien tu fais partie des 36 administrateurs du Judas? Ils vont dire, il ne faut pas faire. Mais les 36 administrateurs du Judas, tu fais partie des. Non, non. Tu n'es pas des 36. Je ne suis pas. Mais je suis membre, en tout cas. Tu es membre. Voilà. Mais en étant membre du Judas, avec tout ce que tu fais là, tu as beaucoup de métiers comme ça. Tu es chanteur, tu es comédien, tout ça là. Normalement, toi, tu dois toucher des millions de Judas. C'est déjà arrivé. C'est ça, il dit, faut pas faire. Mais il vient de dire, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé là. Il faut bien parler. Il y a des gens qui ont touché 12 000, 15 000 là. Ils n'ont qu'à entendre, ils vont aller là-bas. Après, ça dépend de qui l'a déclaré. Ouais, même après, il dit. Ah, ça dépend de qui. C'est la maison des artistes de Côte d'Ivoire. Donc voilà. C'est le bureau ivoirien. Comment le bureau ivoirien des droits d'auteur. Voilà. Attends, répète encore, le bureau ivoirien. Le bureau ivoirien des droits des auteurs. Des auteurs. Il faut mettre des auteurs. Voilà, des auteurs, voilà, c'est ça. C'est ça qui est des auteurs. Donc, si tu n'es pas auteur, que tu prends l'argent là-bas, c'est que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Bon, ok, ça, c'est une parenthèse. C'est pas pour toi. Tu connais qui a pris les. Non, j'ai dit, c'est une juste. Dis-moi non, peut-être que. Quand tu chantes avant, moi, je veux faire de l'inverse. Mais moi, je ne pas. Tu veux faire de l'inverse. Moi, depuis le coupé des calices aujourd'hui, moi, tu fais 112 000. Ça, mais si tu t'es approché, c'est pas vous qui prenez notre argent. Si tu t'es approché, toi, mais tu viens de dire, moi, je fais théâtre, je fais amour, je fais ceci. Est-ce que c'est dans la répartition? Il n'y a pas une partie de notre argent qui va dans vos poches. Mais je ne comprends pas. Apparemment, moi, je fais les répartitions, je les mets les guillis. Mais puisque tu es un membre du Burida, forcément, tu dois savoir comment se fait les répartitions. Oui, mais on dit que ce sont le droit des auteurs. Mais tu es dedans, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas être dans une maison, puis tu as dit, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Aïe! Mais on dit le droit des auteurs. Mais tu es droit. Uh-huh. Tu as plein de choses à ton actif. Tu es comédien, artiste, tout ça. Oui, je suis déclaré, donc, voilà. Et en plus, tu es un membre. Uh-huh. En plus de ça, tu as un membre d'accord. de cette équipe. Uh-huh. Donc, tu sais des choses. Comment nous dire? Pourquoi tu veux me faire membre puis je ne suis pas membre comme ça? J'ai dit... Tu as dit que tu es membre là-bas. Elle veut me membrer comme ça pendant qu'on est. Je comprends zéro. Donc, tu veux lui dire que tu es membré. Ah, mais je ne comprends pas. Donc, tu veux dire qu'on te cache des choses là-bas. Le nombre de personnes que tu viens de citer, moi, j'en veux pas partie. Je sais que, voilà, je suis au Burida.
Et ça se passe bien, chaque 3 mois, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, bon, voilà. Yumi, bon, on va te montrer. Yumi, on va passer un peu une autre étape de la chose. Bon, dis-nous, en cas de cas, toi aujourd'hui, hein, quand tu vois les influenceuses sur la toile, hein, et puis elles sont sexy, elles montrent souvent même, elles sont un peu dénudées, tout ça, quand toi tu vois, est-ce que toi ça te fait fantasmer souvent? Non, mais quand même, ce sont des belles femmes, il ne faut pas cracher dans la soupe, quand même. Hein, ce sont des belles femmes. Donc, hein. Ça fait rien, voilà, ou t'es plus sorti là-bas. Donc, je n'ai pas dit ça, mais tu as demandé si on peut fantasmer. Parmi ces influenceuses, qui est ton fantôme? C'est-à-dire quand tu la regardes, quand laquelle tu... Voilà, tu... ça te fait baver. Tu te dis, si seulement. J'ai pu voir celle-là aussi. Ça, c'est Emma. C'est ça. Emma. Ouais. C'est ta préférée. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Qu'est-ce qui te séduit? Elle est battante. Elle est battante. Voilà. Battante dans quel contexte? Dans le domaine du business, tu vois. Voilà. Elle se bat, elle est influenceuse. Et tu vois, elle motive beaucoup de personnes. Elle peut avoir ses défauts. C'est son et tout, travail hein. Qui voilà. Te séduit. Je te c'est parle d'elle-même. On dit physique. La personne, on dit le physique, on n'a pas parlé du travail. Mais c'est ça, elle dit son travail. C'est ça, non, c'est le travail, c'est son travail. Moi, j'aime les gens courageux. Donc, son physique, c'est son travail. Oui, son physique, c'est son travail parce que c'est son énergie qu'elle met dans son travail. Ou bien. Donc, quand tu regardes ses vidéos, et puis souvent les sexy, le ventre, les petites culottes, les nuisettes et tout ça. Là. C'est pas moi, ce... des fois les mains. Non, mais on parle de toi, pas de toi. Comme le verbe de toi. Tout le monde aime ça. Non, mais on parle de toi. Moi, j'ai fait quoi? Mais c'est pas de toi, tu dis c'est ton fougin, c'est ton fougin. Regarde les gars, quand tu vois balle de l'île, tu dis on est bien là, c'est. Est-ce que c'est ses yeux? Est-ce que c'est sa donc, bouche? C'est une femme battante. Okay. C'est cool. Bon, bah, mais Moyumi, dis-nous, Yumi. Tu penses quoi de l'affaire Portiporta à Dubaï? Non, j'ai pas de... Comment on appelle ça? J'ai pas de jugement à faire. Non, c'est pas une affaire de jugement. On demande ton avis. Attends, l'affaire Portiporta, c'est non, en fait, affaire. Tu sais, les filles, elles sont pas bien. Ceux qui sont partis vers Portiporta, elles nous ont pas dit. Par exemple, nous sommes partis là-bas. C'est une affaire comme... Parce que c'est qu'il y a des hommes aussi qui font ça. Donc quand on disait, il y a des hommes qui font ça aussi là. Oui. En cas de gars. Non, j'ai dit ça pour rigoler. Voilà. J'ai dit ça. C'est vrai, on est la femme, j'ai dit ça pour rigoler. Mais qu'est-ce que tu penses? Comment qu'est-ce que tu penses? Nous tous, on a vu. Non, mais on parle de toi. Voilà, tout le monde dit que c'est pas bien. Oui. Donc, c'est mais pas toi, bien. Mais toi, tu dis quoi? On a parlé de tout le monde. Moi, je fais partie de tout le monde. Ah donc toi tu es dans tout le monde. C'est pas bien, c'est pas bien. Non, mais voilà, en cas des cas, aujourd'hui tu es dans un mode de vie où tout va bien chez toi, voilà. Qui t'a dit ça? Eh, mes parents m'ont appelé à la télé. On m'a appelé au milieu, là, il n'y a pas là. Laisse attendre d'abord. Tu as l'argent. J'ai dit, actuellement ça va chez toi, ça se voit que ça va chez toi. Nouvelle voiture, tout ça. Moi, j'ai vu la caisse, j'ai dit, bon, Rolex, j'ai envie d'avoir ça. Mais non. Ça là, tu es bon guillet. J'ai dit, tu as déjà utilisé. Quoi? Et tu vas nous dire la vérité, tu as déjà utilisé ta carrure d'aujourd'hui, de ce grand humoriste que tu es, pour avoir une go? Aïe. Mais qui t'a dit que nous, si, en tant qu'artiste, en tant qu'influenceur, qui a dit qu'on t'a tu pas tu as utilisé ta carrure d'homme, aujourd'hui, influenceur, comédien, voilà, superstar, pour avoir une go? Avant mon mariage, c'est actuellement. Ça? Actuellement? Non, actuellement, je ne fais pas ça. Je suis un homme bien. Pardon, dis-nous la vérité. Tu vois, ça dit. Mais toi, j'ai l'impression que c'est quand on te torture que tu avoues. Défalé, il est là, tu vois. Défalé, il n'a rien à voir dedans. Je parle de toi. Un homme, je veux dire, tout homme qui est bien portant, je veux dire, c'est pas, on n'est pas obligé d'être artiste. Tu peux compter sur ton affaire d'artistia là. Et puis, tu viens, tu es bête. Non. Il y a ça aussi dedans. C'est parce possible. Que ton artistia là, c'est pas toutes les filles que ça peut influencer aussi. Donc, je veux dire, au contraire, vite si tu vois. Vite fait. Tu mais vas t'as déjà eu. Toi, tu vas en quelque part. T'as déjà eu des goûts avec ça. Tu fais la télé, ça avec moi. Comment? T'as déjà eu des goûts avec ça. Avec quoi? Avec ton statut d'aujourd'hui. T'as déjà eu des goûts avec avant, ça. Oui, avant, mon mariage. Non, il n'y a pas d'avant. Mon mariage. Mais quand elle me fait dire des choses que je n'ai pas fait. Mais c'est ça, fait. Et puis tu vas comme mais un gars qui veut s'asseoir sur un plateau, c'est pour défendre la polygamie, tout ça. Tu sais, tu es prêt à tout. Ah, moi, je ne te prends pas en cas de cas. Faut pas replier. Le combat est noble. C'est pour moi. Je t'aime bien. Ton thème là, de. Le thème que quelqu'un a dit. Oui. C'est ça, ton thème. On a pas fini, faut nous dire. De dire quoi? Tu as déjà eu à faire ça? Tu dis avant, avant. Non, pas avant. Faut laisser avant. Non, avant. Sinon, la nouvelle voiture, là, tu as déjà fait monter une nouvelle personne qui est autre que. C'est ce que j'ai dit. Avant, on faisait, mais maintenant, on fait plus ça. Donc, bon. Celle qui était là avant, là, tu lui as dit qu'aujourd'hui, là, c'est fini. C'est elle qui est là, Yuka, aujourd'hui. Qui t'a non, dit, elle était celle pas... qui était là avant. Où? Quand c'est devenu ce qui est, c'est devenu mariage, là. Donc, tu lui as dit que c'est fini.
Fini comment? Elle n'a qu'à bien reposer. Il faut donner un seuil, il va poser. Mais je comprends pas. Tu as bien compris. D'accord. Tu dis qu'actuellement, tu n'utilises pas ton statut de star pour avoir des go. C'est avant que tu faisais ça. Avant que tu te maries. C'est de ma vie, tu parles comme ça. Mais c'est de quelle vie tu parles? Ouais, moi, mais je ne me retrouve pas. Non, sérieux. C'est de ta vie, pas. Non, parce que ça, c'est pas. Tu veux me mettre dans un film. Ça, c'est pas ma vie. Ah, ça, c'est pas ta vie. Non, parce qu'elle est en train de me construire une autre vie. À ma présence. Une vie que je suis pas. Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec la vie que j'ai vécue. Donc, avant, tu n'as pas fait ça. Mais ça, il est déjà répondu. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Si tu n'as pas prolongé. Prolonger comment? Le contrat. Ah, donc tu continues? Non, c'est ça, il est dit. Il est peut-être avance. Bon, on a la fougue, on vient d'arriver. Ouais, tu connais un peu. Oui, non. Tu vois un peu, non? Voilà, là, tu es frais. Tu es frais. Tu vois un peu, non? Là, tu viens d'aborder le mouvement. Voilà, les intons. Un peu, les intons, les intons, les beaux sont fins. Dis-moi, ça, c'est mieux. Tu sens que. Tu peux être sérieux. Là, tu es en danger. Oh, tu es en danger. Mais dans tout ça, il y a forcément une go, il y a une titulaire, tu vois. Tu as plusieurs go que tu gères, mais il y a une là. Quand tu la vois pas, même si madame est là, là, quand tu la vois pas là, toi, tu envoies un petit texto discret à Bécon, ça va. T'es quelqu'un, hein? Yumi! Moi-même. Mais comme tu défends la polygamie, on peut te poser la question comme ça? J'ai donné des arguments pour qu'elle défend la polygamie. C'est ça, il dit avant, comme je l'ai dit, avant. Oui, bien sûr, ça, avant. Ce sont les trucs qui peuvent arriver. Oui. Est-ce tu vois, non? Mais après, si on voulait rester peut-être dans cette vie, tu vois un peu, non? Mais on n'allait pas décider de se marier et tout, tu vois. À un moment donné, on s'est dit, on est artiste, mais on peut être un artiste. Et puis avoir une vie rangée. D'autres copines à côté, ils sont pas sérieux. Non, ça, c'est pas moi qui le dis. Chacun est libre de gérer sa vie comme lui, il trouve ça bon. Mais est-ce que tu as toujours contact avec elle? Celle que. Quelle celle qui? Celle qui était avant avec celle qui est là. Qui? C'est elle qui est à la maison là? Non, celle qui était avant, celle qui est là. Déjà, est-ce que tu as contacté tes ex? Quand on parle des ex, est-ce que toi non, tu mais, si c'est comme. Abdi. Mais ex là, tout le monde a. Ex. Voilà. Mais il y a des ex là qui se revoient là. Tu vois, il y a des ex là qui se revoient là. Ancien feu. Souvent, ancien feu, façon un bisou qui se parle là. Souffle comme ça. Non, je pense que. Est-ce que tu souffles? Non, je souffle pas. Quand on dit ex, je pense que c'est voilà. Passé. Tout le monde. Pour toi, déjà. C'est comme ça. Voilà, je me dis. Enfin, puis voilà. Tu n'as jamais fait que tu revois une de tes ex et puis tu dis. Mais tu as changé. Non, ça, tu peux apprécier. Non, ça, c'est d'apprécier. Ça, je t'explique. Tu sais, les femmes, c'est les femmes qui ont. Mais et si la balle vient de l'adversaire? Ah. Tu peux apprécier. Une balle peut venir. Tranquille. Tu gères ça comment? Non, c'est la balle. C'est une balle. J'ai dit. J'ai dit. C'est une balle qui vient de l'adversaire. C'est une balle. Donc, c'est une balle. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te défendre. Voilà, tu vois, une balle, ça se joue là. Oui, vois, donc voilà. Du coup. Non, tu es grave. Faut pas. Hein, tu es grave. Faut. C'est une balle. Voilà, c'est juste une balle et tout. Alors, en fait, les femmes, non, tu vois, il leur dit, les femmes, quand elles sont avec toi là, quand go, ça y vous partez à bras gros. C'est-à-dire, quand vous mettez fin à votre relation, c'est-à-dire, elle là, son souhait là, elle veut te voir malheureux. Les femmes sont comme ça, hein. Elle veut te voir souffrir. Et puis le jour, t'es sango, ton ex là, tu ne la vois pas. Hein. C'est le jour, t'es un débardeur, elle est léquée, où t'es habillé bizarre. C'est juste là, tu tombes sur. Elle dit, ah, il était pas dit, quand elle était lésée, t'es un fou là, t'as vu? Pourtant, nous, les hommes, on n'a pas de problème avec ce truc-là. Tu peux marcher avec une fille, et puis après, la relation s'arrête, elle passe à autre chose. Après, tu arrives, ah, tiens, Joel, tu as vu ma petite là? Il y a quelqu'un. Mais ils sont malins, mais qu'elle te voit là. Voilà, et puis maintenant, c'est elle qui fait les démarches. Mais toi, tu es content aussi de voir que, ah, peut-être, non, il y a un bon moment qui s'occupe d'elle maintenant. Oui, voilà, non, voilà. Ouais. Voilà, donc, tu ne la vois pas mal. Tu vois, ce sont les femmes, quand elles te bras seulement, et que tu souffres même. Mais tous les hommes aussi, vous aimez faire ça. Même. Hein? Toi, tu as déjà eu à faire ça. Tu as dit, tu as donné un gourmet, un go, parce que bon, elle était fond de toi, c'était pas ton genre, tu l'as laissé. Puis quand tu la revois maintenant, aujourd'hui, là, ah, ça fait un bim monumental. Et puis tu es. C'est ce qui est négligé là, qui est là. Il y a quelqu'un qui peut dire, lui n'a jamais eu gourmet. Non, je ne t'ai pas de toi. Toi, mais où tu es là, tu es dans le gourmet? Non, je ne suis pas dans le gourmet. Il savait comment? Ça, c'est pas la question. Dis-moi, il savait comment? Moi, c'est célibataire. Il savait comment? Célibataire. Il savait célibataire. Ouais. Yumi, il savait célibataire. Il savait célibataire. Est-ce que tu m'as dit là? Voilà la caméra, il s'appelle célibataire. Ok, voilà. c'est pas moi ici, le journaliste. On va continuer. Alors, en tout cas, quel est ton rapport avec tous tes autres frères humoristes de ta corporation? Est-ce que tu l'entends? Il y en a peut-être avec qui tu as eu des différends ou comment les choses se présentent? Non, mais je vais dire, dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de problème, quoi.
Voilà, ce sont des bons rapports. Et il faut remarquer bien, ça dit les humoristes en Côte d'Ivoire ici. C'est vrai, on peut avoir souvent des écarts de langage forcés et mais tout. Forcément. Ça ne peut pas finir. Mais ouais. Je pense que ce sont des trucs, on ne prend pas ça pour dire c'est une guerre ou bien un truc. Non, c'est la même corporation. Vous voyez les humoristes, quand il y a un humoriste qui a un événement comme ça, les autres s'alignent derrière ce dernier-là pour communiquer sur son activité. Et après, on est vraiment organisé sur ce plan-là. En tout cas, il y a un élan de solidarité qu'il ne faut pas, franchement, que nul ne peut faire semblant de le voir. Voilà. Il y a un véritable élan de solidarité dans toutes vos organisations. Voilà. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas des moments d'hypocrisie cachés aussi, peut-être pour la gloire de l'autre, ou les petites jalousies, des percements de cœur? On se dit la vérité. Non, ça, moi, perso, je ne suis pas animé de ce genre d'esprit, en fait. Toi, tu n'es pas animé, mais est-ce que tu as déjà eu à voir ça? Mais on est dans le game, toi aussi. Souvent, il y a d'autres, quand tu viens, chacun veut paraître. Ça, c'est une réalité. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes en guerre. Tu comprends ça, je peux appeler ça une concurrence déloyale, tu vois. Vous êtes dans un coin, vous êtes tous des célébrités, ou bien vous êtes tous des visages connus. Chacun veut paraître, chacun veut montrer que c'est moi qui suis là. Oui. Mais ça ne fait pas objet vraiment. Mais ce n'est pas ça qui attire tout ce que je dirais, tout ce qui est côté mystique. Ben voilà. Parce que c'est de là que tout vient. Chacun veut paraître. Voilà. Maintenant, s'il y a d'autres qui paraissent, que d'autres veulent empêcher d'autres de paraître, il y a maintenant forcément des actions maintenant qui commencent à être menées. Voilà. Tu veux dire, paraître chez les marabouts pour avoir du succès? Non. Marabout peut donner un succès. Il ne faut pas travailler. Tu parlais dans tes débuts que ça a été une période difficile, surtout la frustration que tu as eu à avoir après ta première scène, si je peux dire ça comme ça. Ça ne t'a pas poussé dans ton amour propre à faire ça, à aller poser ce genre d'actes, te laver, porter des bagues, des trucs comme ça. Il faut travailler, c'est tout. C'est la seule méthode. Tu n'as jamais été tenté. Il dit, il faut travailler. Il ne faut pas compter sur Marabout. Il faut travailler. Tu veux devenir grand en ballon, il faut travailler. Tu veux devenir grand en vente de charbon, il faut travailler. Tu veux devenir grand balanceur, il faut travailler. Tu veux devenir grand humoriste, il faut travailler. Seul le travail paye. Arrête de te mettre des choses dans la tête. C'est mensonge. Ceux qui le font, moi, je ne pas compte. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Mais moi, je me dis, mais tu sais, si je suis... Qui le font. Non, ça existe. Voilà. Ça existe. Là, on est bon là-dessus. On est d'accord. Chacun a son kiff. Voilà. Okay. Chacun a son kiff. Moi, je me dis, dans ce milieu-là, moi, je n'ai pas de concurrent. Okay. Ça, c'est ma conception personnelle. Okay. Je me dis, mon premier concurrent, c'est moi-même. Comment je me bats pour me surpasser à chaque fois? Comment je me bats pour qu'une scène, c'est-à-dire la prochaine scène, vraiment, soit la plus meilleure que la précédente? C'est tout. Moi, c'est mon combat qui est là. Donc, pour dire, ouais, il faut qu'on dise que ça, c'est pas mon truc, en fait. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à un jeune qui a envie de devenir une star? Quelqu'un de bien vu comme toi, quelqu'un qui explose, un jeune qui a véritablement cette âme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de devenir des grandes vedettes, des grandes stars et tout. Oui. Quel est le conseil que tu peux leur donner? Ils n'ont qu'à se mettre au travail. Ils n'ont qu'à se faire encadrer. La formation, ça compte beaucoup. Il n'y a pas école pour vendre talent. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école au monde où on dit ici, là. Ça dit, quand tu viens, tu n'as pas de talent. Pas de talent on t'enseigne le talent. Non, chacun naît avec son talent. Il est inné. Que tu comprends. Maintenant, l'école ou les formations te donnent des mécanismes pour pouvoir évoluer dans ton propre environnement. Tu vois, donc tu peux avoir le talent, mais je pense que si tu as une formation, les plus jeunes, tu as une formation, parce que l'humour, c'est un métier qui est très compliqué. Hein. Bien sûr. Moi, je dirais même que c'est le métier le plus dur au monde. Parce que les gens se mettent là, on dit qu'il faut les faire rire. Qu'est-ce qui prouve que ça va les faire rire? Ça les fait rire. Tu vois? Donc, si tu as une formation, tu as des éléments, ça dit tu as des mécanismes sur lesquels vraiment tu peux t'appuyer. Tu sais, quand je fais une vanne comme ça, voici comment ça s'appelle. Quand je fais une vanne comme ça, voici comment ça s'appelle. Comment je peux improviser tout de suite quand on me dit fais quelque chose. Comment déjà, ça dit ça déclenche. Comment? Donc, tout ça, ce sont des trucs, ça s'apprend. Donc, tu peux avoir ton talent au quartier, mais quand tu as envie de faire une carrière, il est important d'avoir au moins une formation. Okay. Ça va t'aider, c'est pour toi-même. Donc fais-nous une improvisation tout de suite en voir. Tu quoi? Sur l'humour. Prends-nous un thème tout de suite, on veut voir quelque chose. Non, mais quand je vais parler, tu as dit que je mens. On a habitué à ça. Non, j'aime pas. On a habitué. Je n'aime pas trop mentir, surtout quand on est devant les gens. Est-ce que toi, tu sais pourquoi un tireur de lutte, là, toujours quand il veut tirer, là? Est-ce que tu sais pourquoi il ferme un œil? Non. Et toi, tu sais ça? Pas du tout. Ah. C'est pourtant simple. Et s'il ferme les deux là, il ne va rien voir. Donc il faut tout fermer. Hein. Donc ce sont des trucs qui sont. Ça est devant vous. C'est tu sais pourquoi, voilà, tu vois. Tu sais pourquoi quand le chien il pisse, il se lève toujours une part, tu sais? Non, pas du tout. C'est ça, il faut qu'on vous explique. C'est pour ça que mon oncle Beno Kassim m'a dit, ça dit tout problème a une solution. Voilà. Si tu vois qu'il y a un problème qui n'a pas de solution, c'est que le problème a été mal posé. En fait, au fond, le chien, quand il soulève la patte pour pisser,
Le premier chien qui a été envoyé sur Terre, il s'appelait Bobijo. Voilà. Et Bobijo, c'est l'ancêtre des chiens. Et alors comme ça, malheureusement, un soir à 17h, il y a Bobijo qui passait à côté d'une clôture. Tu vois, et la clôture, là, Bobijo voulait pisser. Et la clôture, là, vraiment, est versée sur Bobijo. Ouais. Et Bobijo a rendu l'âme. Et depuis lors, tous les autres chiens, en fait, c'est pour rendre hommage à Bobijo quand il veut pisser, tu vois. Il bloque un peu. C'est pour bloquer le mur. Ah. Tu vois, donc c'est resté. C'est pas instinct, c'est resté. Tu vois, si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre tout ça. Ce sont des trucs qui sont là. Hein. Tu parlais en off de ton école d'enfance que tu dois réhabiliter. Est-ce que tu peux encore mieux me donner des détails? Vraiment, c'est pas facile, mais c'est un rêve. Tu vois, je démarre l'école, je démarre le théâtre, disons, à l'école primaire d'abord, sans pour penser qu'un jour ça peut devenir mon travail. Hein. Ça, ça existait avant les histoires de théâtre scolaire et tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a eu comme formateur à l'époque l'un des meilleurs faisait du théâtre en Côte d'Ivoire, Ignace Alomo. C'est-à-dire, bon, le premier gars même qui a fait le monothéâtre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'on appelle One Man Show, One Man Show. Voilà. C'est lui qui est venu pour encadrer un peu la troupe de notre établissement. Okay. Donc, il nous apprend un peu les rudiments de l'art. Tu vois, donc, c'est vraiment par passion, on se donne à la chose, tu vois. Et après, je reviens à Abidjan, comme tout ce que vous savez, les difficultés qu'on a connues et tout. Et voilà. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, quand j'arrive à Amsoko, il y a des jeunes qui m'approchent. Ah, VP, il faut m'aider aussi. Vraiment, nous aussi, on veut faire le théâtre. Bon, vous êtes comment? On dit, OK, d'accord, on va essayer de créer une plateforme pour vous. Mm-hmm. C'est ce qui nous amène déjà à créer le festival, le Yakov, Yakro Comedy Festival. OK, Yakro voilà. Comedy Festival. Le Yakov. Okay. Voilà, le Yakov, pour les 18 et 19 novembre. D'accord. Okay. Et voilà, nous avons fait deux castings. On a retenu les plus jeunes ici. Okay. Et on a fait un autre casting à Yamsoukro, à l'intérieur, où les petits sont quittés à Odiné. Fait que ce bruit, ils sont quittés un peu de partout pour venir s'inscrire. Et c'était très bien, on avait Bidefer comme jury, Koro Abou, tous ces doyens-là étaient avec nous. Et à l'action sociale, c'est comme je l'ai dit, c'est la réhabilitation de l'école où tout a démarré. Si, une manière de rendre à l'école ce que l'école nous a donné. Donc c'est l'action sociale qui accompagne l'événement. C'est super. Donc il y a un cachet assez spécial encore. Okay. On a, comme on appelle ça, le Congo, qui est le pays invité. Okay. Pour la première édition, voilà, on a des humoristes qui viennent du Congo. Ah, mais c'est bien ça, voilà. C'est super. C'est super. il y a le programme de planting d'arbres, donc il y a le ministre de l'Environnement du Congo qui vient voilà, pour l'événement. Ça, c'est toute une grosse organisation. Voilà. Et l'événement est sur le parrainage de M. Souleymane Dirassouba, ministre du Commerce, hein, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Voilà, c'est placé sous son parrainage. En tout cas, on te souhaite et il y a aussi le préfet de Yamoussoukro, M. Kwame Brou. Donc, toutes ces autorités seront avec nous ce jour, les 18 et 19 novembre, pour le Yakov. Ah ouais, nous, on te souhaite vraiment plein de succès. On te souhaite une belle réussite. Voilà, une belle réussite, parce que tout ce que tu énumères sont vraiment des choses qui sont vraiment qui ont besoin de solidarité. Et voilà, et vraiment je pense que tu seras très accompagné dans ce truc. Alors notre émission va prendre fin déjà. Oui, c'était parce que quand c'est trop bon, ça ne dure pas. OK. Ouais, si c'est pas bon, c'est là que ça dure. Okay. C'est tellement bon que ça ne peut pas durer. Ah ben. Voilà. Donc on va te tirer ton mot de fin déjà. Quel est l'appel que tu peux lancer par rapport à ton activité et voilà, ton message à tous tes fans et tout ce qui t'apprécie. D'accord, je dis d'abord merci à Ivoire TV Musique, voilà, DG Zumba qu'on salue de passage. Merci à Seyd de Falé. Yumi, faut dire que ce que tu as dit là, c'est fou, hein, l'affaire des femmes là. D'accord, donc voilà. En tout cas, voilà, on compte sur la population ivoirienne à effectuer le déplacement. Yamoussoukro, c'est à 2h d'Abidjan. C'est sur 2 jours. Vendredi, on a la première soirée. Ça, c'est la soirée des nouveaux talents. Et le samedi, on a la soirée Côte d'Ivoire-Congo. C'est-à-dire avec des humoristes du Congo et qui doivent affronter des humoristes de la Côte d'Ivoire. Et donc, vraiment, c'est un week-end chargé. Il y aura des programmes de planting d'arbres. Donc, sensibiliser un peu la jeunesse du quartier sur la non-violence. Donc, il y a plein de programmes. Il y a même des programmes d'alphabétisation et tout et tout. Donc, vraiment, c'est un ensemble. On invite la population ivoirienne vraiment à se diriger à Yamoussoukro les 18 et 19. On va faire la fête ensemble. Généralement, les événements de Yamoussoukro se font à la place Jean-Paul II. Oui. Cette fois-ci, on fait ça dans mon quartier où j'ai grandi. Tu as grandi, voilà, une manière vraiment d'être plus en contact avec la population. Voilà, 18-19 novembre, Yakov, Yakov Comedy Festival.
Voilà. Big up. Merci. Alors, je pense que les dates ont été retenues. Mm-hmm. Merci aussi à toi pour ton passage dans le Fafa. Mm-hmm. Alors, big up à Babacou, le coiffeur des stars, en ce moment en vacances du côté d'Abidjan avec sa famille. Mm-hmm. Big up au DG Pierrot, Kangala le berger. Alors, bientôt l'ouverture de chez Kra, la boutique à bière de luxe et chaussures de luxe, bien sûr. Et bien aussi, le bonsoir à mon papy Vivianus, que je salue depuis sa position. Mon pote Eddie Dofou, le pape, on est ensemble. Ange Bleu, le cultivateur, la marraine Mathilda Erika. Et Ibu Carabao, Sonny l'Italien, sortez couvert. À tous ceux qui partagent les Fafa, continuez, parce que l'aventure sera encore de plus en plus belle. Restez connectés, surtout, sortez couvert. La légende, big up.